Le conte le phare. Nous en sommes à la quatrième aventure. Et le dernier récit que je vous ai proposé invitait à faire un peu mieux connaissance avec dans quel état et désirer la première crabe de la lignée de la fratrie des 10 petits crabes. Ils se sont rencontrés, comme prévu, au ponton de la grande plage. Et dans quel état a fait danser, pour la première fois de sa vie, Désiré. C'était un très bon moment. Mais Sisyphe a rencontré le Coucougé également de la grande plage. Ils se sont parlé un petit peu tous les deux, elle qui dessine, lui qui adore imiter et qui donne l'alerte quand quelque chose ne va pas sur l'île, en imitant les voix des différents habitants. Et ils se sont aussi parlé du crabe rieur. Oh, le crabe rieur aimerait beaucoup avoir du talent. Il adore imiter, il adore raconter des blagues. Et surtout, hein, il s'est dit qu'il allait séduire l'inimitable. Mais comment faire? Il a passé toute la nuit à se poser la question, comment faire? Il sait qu'il n'est pas très très bon en imitation, mais il sait aussi que c'est le seul moyen de les faire rire. Avec quelques histoires drôles. Alors le Coucougé, qu'elle est allée voir, l'a conseillé un petit peu, lui dit, écoute, je ne sais pas, prends la voix d'un chanteur, prends la voix d'un grand acteur, peut-être que tu auras la possibilité de la séduire plus rapidement que simplement si tu es toi, mais tu sais, je crois que c'est de toi dont elle est tombée amoureuse. Elle est amoureuse de toi, elle n'est pas amoureuse de ta voix ou de... Mais c'est vrai que la voix et l'humour, c'est beaucoup. Alors le crabe rieur a travaillé toute la nuit, tout un récit, un scénario, puis il arrive sur le ponton. Donc il a un certain nombre d'histoires prêtes. Il attend, il attend, il attend, il attend. Il attend, elle est en retard. Il attend, elle est en retard. C'est terrible. Alors il marche d'un bout du ponton à l'autre. Quand il est arrivé au bout, il repart dans l'autre sens. Parfois il plonge, il se rafraîchit les idées, puis il remonte. Et il attend, et au bout d'un moment, il commence quand même à être inquiet. Il est inquiet. Et tout d'un coup, il la voit sortir de l'eau, au bout du ponton. Dans sa carapace rouge. Il est ébahi, ébloui, il oublie tout ce qu'il avait préparé, ses imitations, ses histoires drôles, ses pinces sont par terre de chaque côté de sa carapace. Et elle lui dit, avec une voix douce, comme suspendue dans l'air, je suis en retard. Ce matin, j'ai fait la cuisine, je t'ai préparé un gâteau en chantant une chanson que peut-être un jour je te chanterai, une chanson très belle, avec une voix comme si elle venait du ciel. Mais tu verras, le gâteau est très bon aussi. Et le crabe rieur est ébloui. Mais il comprend que il ne sert à rien de préparer les choses à l'avance, de s'imaginer comment les choses vont se passer, un rendez-vous, un entretien. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui est un des plus merveilleux cadeaux qu'il ait reçu de sa vie. Et ils s'assoient tous les deux
au bout du ponton. L'inimitable et le crabe rieur. Elle pose le petit paquet qu'elle a au bout de sa pince. Elle pose à même le bois du ponton, l'ouvre délicatement. Et un beau gâteau apparaît qu'ils se partagent tous les deux. En attendant peut-être de chanter ensemble cette chanson qui viendrait des nuages. À plus tard.